Je réalise des bilans carbone, ce qui consiste à compter toutes les émissions de gaz à effet de serre au long de la réalisation d'un bâtiment. Ce qui consiste en fait à compter toutes les émissions de carbone, à la fois lors de la production des matériaux qui vont servir au bâtiment, du chantier, de sa vie en œuvre, donc son fonctionnement, et puis de sa fin de vie. Pour réaliser ces calculs carbone, je suis en relation avec les différentes parties prenantes et les différents acteurs de la construction, tout au long du projet. Physiquement, je suis quand même beaucoup derrière un bureau puisque je dois réaliser ces calculs sous un outil informatique et donc derrière un ordinateur. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que j'ai réalisé ces calculs, je les analyse, je trouve des moyens de réduire ces émissions de carbone en changeant les modes de fonctionnement, en allant vers de l'innovation, en changeant les matériaux. Et pour ça, donc, du coup, je dois travailler avec les différentes parties prenantes de la construction. Pour réaliser ces calculs, il faut d'un côté être très rigoureux, avoir un bon sens de l'analyse pour pouvoir analyser ces chiffres. Et d'un autre côté, il faut aussi avoir beaucoup d'adaptabilité, rendre le sujet assez concret aux opérationnels, puisque effectivement le calcul carbone, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu mystérieux. Du coup, il faut traduire ce discours et l'adapter aux personnes que l'on rencontre pour qu'ils comprennent notre atout et qu'ils répondent à nos sollicitations. Alors, ma formation initiale, je l'ai faite à Paris 6, au sein de l'université. J'ai obtenu un master génie de l'environnement, assez général, sur tous les métiers de l'environnement. Ensuite, quand je suis arrivée chez Eiffage, je me suis spécialisée notamment sur les calculs carbone et puis sur les métiers de la construction. Donc j'ai eu toute une formation continue tout au long de ma vie professionnelle pour pouvoir toujours être à jour et toujours plus pointu sur ces métiers-là et sur ce calcul carbone. Aujourd'hui, le dérèglement climatique était un sujet de société extrêmement important et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, un sujet complètement d'actualité. Pouvoir travailler à, justement au sein de mon entreprise, réduire et éviter ces émissions de carbone, c'est extrêmement enrichissant et ça permet d'allier à la fois mon point de vue personnel et mon travail de tous les jours.